Bonjour à tous et à toutes, c'est Jackax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, présentation de trois commissariats. Ceux qui le savent, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je kiffe les commissariats. Donc j'en ferai toujours autant tant que j'aurai des idées. Là, je vous avoue que je suis parti sur trois idées assez folles. Donc il y en a deux qui sont vraiment bien de ouf. Et après un, voilà, ça passe et ça passe quoi. Donc voilà, donc ces trois comicos-là sont bien sûr disponibles à acheter dans mon shop là où je fais mes services comme d'habitude, et le lien est en description. Et sinon voilà, je vous laisse profiter de la vue, je vous laisse profiter de ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a aussi peut-être des défauts hein. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. Donc du coup, on se retrouve avec le premier comico. Donc le premier comico, il se présente comme ceci. Donc de base, ce comico là, c'est un comico qui a été fait sur PC. Donc c'est un mapping que j'avais vu sur PC. Et on a Sky Raider aussi qui l'a déjà fait. Ce que j'ai rajouté moi, c'est que j'ai mis la double vitrage ici. Donc ça fait vraiment stylé d'avoir un vitrage là en angle un peu. Ce que j'ai rajouté aussi, c'est un petit parking ici. Donc, ça change un peu, j'en ai déjà fait des parkings ici. Mais cette fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même mis une allée ici, donc les PNJ peuvent passer là et après on se gare juste ici. Donc je trouvais que c'était assez original. Donc voilà, après on a ici des petits buissons, la petite entrée ici. J'ai fait un petit dôme ici, ça a jamais été fait aussi, un petit dôme comme ça. Et après, si vous voulez voir l'intérieur, là on a le petit panneau IA qui arrive là et qui est aussi ici. Et à l'intérieur, voilà, c'est très simple, c'est juste un truc de contrôle. À la limite, je pourrais rajouter des sièges ou quoi. C'est à voir. Et après, si on veut voir ça de nuit. Donc voilà de nuit ce que ça donne. J'essaie toujours d'éclairer au maximum pour que toutes les parties soient visibles. On a les petites caméras de surveillance ici. Et d'ailleurs, j'en ai rajouté aussi une caméra de surveillance ici, là. Ça fait stylé pour l'entrée. Et voilà, niveau éclairage, on est pas mal. On a un gros éclairage au-dessus. Éclairage ici, j'en ai mis un ici pour le parking. Et à l'intérieur, j'ai mis aussi un éclairage. Et voilà, donc on passe au suivant. Donc là, on se retrouve sur le deuxième comico. Donc le deuxième comico, j'aime beaucoup vraiment. C'est un comico que j'avais déjà fait quand je n'avais pas les éléments modés. Donc c'est-à-dire... en haut, on peut garer des véhicules et en bas aussi. Donc je trouvais vraiment stylé de le refaire, mais cette fois avec des éléments modés. Donc je suis vraiment content d'avoir pu le refaire. Donc l'entrée est assez basique ici, on rentre par ici. Donc comme je vous ai dit, en bas en général c'est pour la police. Donc voilà, on a des petites vitres ici. On a deux portes de garage ici. Bon, elles s'ouvrent pas malheureusement, mais c'était pour la qualité quoi. Ici on a un petit escalier au milieu pour monter à l'étage. Hop, pareil, on a un petit panneau IA et on a un petit centre de contrôle. Donc j'ai pas mis grand chose dedans, après pourquoi pas rajouter d'autres trucs, mais j'ai mis quand même un petit centre de contrôle pour avoir la vue de qui rentre ou quoi. Je trouve ça assez stylé. Ici on a encore une porte de garage, donc factice bien sûr. Et en gros, ce que j'avais pensé, c'est genre là les gens ils montent, mais si on a un petit coin tranquillou, on rentre avec notre véhicule et en gros ici on garde nos véhicules. Donc, que ce soit des véhicules de PNJ ou des véhicules de flics. Et ici par contre c'est réservé que aux policiers et aussi en dessous. Donc voilà un peu ce que ça donne, j'ai rien mis de ce côté là. Mais je trouve vraiment ce comico assez stylé et très original puisqu'on peut garer les véhicules en haut et en bas. Donc je trouvais vraiment l'idée super stylée. Donc après si on met de vue de nuit. Oui, très bien éclairé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. J'ai mis plein des spots un peu partout. Les lampes du comico de base. Et je trouve ça vraiment stylé, même avec le IA à l'intérieur, ça fait propre. Donc voilà, on passe au suivant. Donc là, on se retrouve pour le dernier comico. Donc celui-là, vraiment, je pense, c'est mon préféré. Je pense que j'en ai jamais fait un aussi beau que celui-là. À part peut-être celui-là avec les piliers, mais encore, je trouvais... mais lui, vraiment, en termes d'originalité, il est vraiment beau. Et franchement, il prend pas tant de place que ça. Là, vous voyez qu'il me reste encore quelques éléments à placer si je veux. Et j'ai déjà bien rempli la map avec ce qu'il faut. Donc, franchement, on est sur un masterpiece là. Donc, pour la visite, donc on a
un petit garage factice ici encore. On a des petits escaliers pour monter directement là-haut. Là, on a encore des escaliers ici pour accéder après au bureau là-haut. Donc, en gros, on peut y accéder soit par là. Donc, là, on a des escaliers ici. Soit on y accède par là. Donc, on va y accéder par là en premier. Hop, on passe ici. On a une petite vue là. Hop, on arrive là. Donc, bien sûr, j'ai pas fait d'intérieur encore. J'avoue que c'est un peu le truc dommage. Mais franchement, j'avais pas trop d'idées encore quoi mettre à l'intérieur. Donc, je verrai soit des bureaux, soit des salles de détente ou quoi, je sais pas trop. Pareil là-haut, j'aurais bien voulu mettre un hélico, mais je peux pas, c'est dommage. Et je verrai si je mets un mur ici. Et voilà, donc là on descend tranquillou. Et hop, on arrive en bas. Et la petite touche aussi, c'est le petit 911 ici que j'ai mis en mode Hollywood, mais sauf que là il y a marqué 911. Et du coup, de nuit, ce que ça donne. Voilà un peu de nuit, ce que ça donne. Avec la tour un peu IA, ça fait vraiment stylé. Le 911 ici, et tout qui est bien éclairé au propre. Donc vraiment, ce Comico, une pépite. Donc voilà avec tous les Comico. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. Ces trois petits comicos. Donc en vrai, ces trois comicos, je vous l'avoue, je les ai faits en 2 semaines, je crois, les trois. J'ai enchaîné, il y en a un, le dernier, là, je l'ai fait en une soirée. Enfin là, vraiment, j'étais au max de moi. Prochainement, je vais aussi faire un peu d'autres trucs que le comico. Là, je vais sûrement faire un hôpital, vous présenter. Je vais aussi vous présenter un school RP que je suis en train de faire. Donc voilà, je vais tout vous présenter comme ça. En ce moment, c'est sûr, il y a un peu moins de vidéos, donc je suis désolé. C'est qu'il y a un peu manque d'idées, manque aussi de motivation. Mais voilà, c'est aussi qu'on voit que le RP se commence un peu à s'essouffler. Ce qui c'est bien, ce serait que GTA 6 sorte. Et là, ça pourrait faire un truc de ouf en plus, tu vois, avec GTA 6, peut-être un RP sur GTA 6 et tout. Donc voilà, franchement, on attend GTA 6 à fond. Et ça pourrait me permettre aussi de reprendre mes vidéos à fond aussi. Donc voilà, moi j'ai le temps de faire des vidéos tant qu'il y a des idées. Mais là pour le moment, on attend GTA 6. Donc voilà. Donc sur ce, merci de me soutenir encore. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et ciao ciao!